qui a fini? C'est Georges Mikotadze. Bon, il est né en France, il est né à Lyon, évidemment, il a grandi à Lyon, mais il est international géorgien, donc effectivement, ça fonctionnait aussi. Bien joué, Mama Baldé. Et donc, pour revenir, oui, au match de Ligue 1, vous savez, pour ceux qui sont avec nous, qui en sont très contents d'ailleurs, et on vous remercie parce que notamment sur les réseaux sociaux, vous nous faites toujours une très très bonne publicité, vous nous dites toujours combien vous appréciez les programmes et le contenu au Lplay, donc merci à vous, ça nous fait vraiment chaud au cœur à chaque fois. Et vous incitez en plus ceux qui ne sont pas encore abonnés à le faire. Et effectivement, autour des matchs, on prend l'antenne une heure avant pour avoir toutes les infos, la compo, les explications de la compo, et on, dès le coup de sifflet final, on reprend l'antenne également pour vous donner toutes les réactions, les analyses. Parce qu'il y a toujours le coach qui vient après le match très rapidement. Il y a toujours plusieurs joueurs qui viennent également réagir. Plus notre consultant, notre journaliste et notre présentateur, évidemment. Philippe Bruet qui orchestre tout ça avec Yvon Marcelin, notre commentateur. Et puis notre consultant, soit Anthony Réveillère, soit Arnaud Rivenet. Et pour la première journée de championnat à Rennes, ce sera Anthony Réveillère d'ailleurs qui commentera. Ouais, c'est bien joué ça, tout à une touche de balle et on termine parfaitement. Nemanja Matic. Bon, là il y a but mais dans la grande cage. Je crois que l'idée c'était plutôt de viser les petites cages sur les côtés. Après tant qu'il y a but. Marc Laborderie, le médecin, qui est plein axe, de dos avec sa casquette et sa bouteille d'eau. Ah. Contré Nicolas Tagliafico par le mannequin. Ça bouge beaucoup. On voit Aurel Mangala, Gift Orban, Zaid Benrahma sur l'exercice du fond. Bon, c'est peut-être mieux avec les petites cages, hein, quand même. Ça me... Pierre Feuille-Ciseau, là-bas, de Quentin Tolisso et Maxence Cacré. Ouais, dommage là le poteau, mais c'était pied droit pour Nicolas Tagliafico qui avait marqué l'année dernière sur la première journée. Rappelez-vous, remise au deuxième poteau de Maxence Cacré pour Nicolas Tagliafico en toute fin de match pour revenir à 2-1. Malheureusement, ça n'avait pas suffi, l'OL s'était incliné. Sonic me fait la remarque que Thierry Henry a été à deux doigts de faire rentrer Ryan Cherki en fin de match, en tout cas juste avant la fin des 90 minutes, et qu'il s'est ravisé. Et tu as tout à fait raison, parce que j'étais au stade et j'ai vu la même chose. En fait, il allait rentrer, juste au moment où il allait rentrer, juste avant Jean-Philippe Mateta a égalisé, et Thierry Henry a changé ses plans, et Ryan Cherki est reparti à l'échauffement. Il était évidemment déçu, mais on peut le comprendre.
Alors on salue l'arrivée de Jules Cross sur le chat. Jamais loin. Allez, il n'y a quand même pas énormément de temps laissé pour boire. Hein. Vous avez intérêt à être rapide. Il faut presque aller courir pour aller boire sur ces pauses. Avec Pierre Sage nous dit souvent il faut que les entraînements soient intensifs. Je demande beaucoup d'intensité, il ne faut pas qu'il y ait de pause. Et on constate que c'est le cas là. Parce qu'aujourd'hui, l'entraînement est ouvert au public et retransmis sur OL Play et sur la chaîne YouTube de l'OL. Donc vous le voyez, mais c'est tous les jours comme ça. Bon, la question de Jules Cross sur le chat, la réponse est non. Alors, on va demander à Yvan Marcelin, je pense, de repartir sur l'exercice de droite qui me paraît le plus intéressant avec des petites cages, avec des buts. Voilà, merci Yvon, parfait. Comme ça en plus on voit tous les joueurs qui passent par groupe.